Madame Aïdja, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes actuellement à l'USP La Vie, c'est ça? Oui. Et vous êtes accoucheuse ici. Accoucheuse auxiliaire d'État ici. Mm-hmm. Moi, c'est Valentin Godinou, consultant en gestion de projet du cabinet SIL Consult Togo. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Et nous, notre mission, c'est d'aller dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, pour voir les difficultés que les villageois ont, surtout dans les besoins de santé. Dans notre promenade, on est tombé sur le village de Lazé, et avec votre USP, on a fait une promenade à l'intérieur, on a vu qu'il y a un certain nombre de trucs et de dysfonctionnements à régler. Mais nous, on n'est pas un personnel soignant, donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on va venir vous écouter pour voir si, effectivement, notre regard est le bienvenu ou pas. Donc, on vous laisse la parole pour nous présenter ce que vous faites, les difficultés que vous avez et vos attentes. Merci beaucoup. Vous avez la parole, madame. Merci aussi, monsieur. Et soyez les bienvenus. Sinon, comme je me suis déjà présenté que nous sommes sur l'accoucheuse auxiliaire d'État, l'USP La Vie. En tant qu'accoucheuse, je fais la consultation prénatale, les accouchements et les consultations en PEP. Je planifie les femmes. Et le CPC, la consultation des enfants, la pesée, la nutrition. Si l'infini aussi est un peu absent, je vais aussi au niveau des soins infini pour la situation des malades. Donc, bref, c'est ce que nous faisons. Quelles sont les difficultés que vous avez? Les difficultés, déjà dans ce centre, au niveau de la maternité n'est pas détachée. Tout est confondu. Quand les femmes en travaillent là-haut, des fois il nous arrive de les mettre ensemble dans un même salle. Puisque quand le malade est là, peut-être c'est un homme qui est malade. Il arrive, il y a deux, trois malades, la femme en travail arrive. Ou bien on finit de faire un accouchement, on est obligé de les jumeler dans la même salle. Ça vraiment, ça nous dérange beaucoup. Si on pouvait faire ce que la maternité soit détachée de la médecine, ça va vraiment nous intéresser. Merci beaucoup, madame. Merci aussi, monsieur. Ouais.